Ikiro kibi turangura dimi none umaze gushuda kubuza aho harimo ibiro bitatu je nabiranguye 30 000 umukiriya w'isombe haje nta ndenze 5000. Les bouchers du Business City Market chez Sioni disent travailler à perte suite à la mesure du ministère de l'Intérieur de fixer les prix de la viande par kilogramme. Au marché, la viande sans os n'est plus vendue. Ces commerçants indiquent qu'ils préfèrent la vendre avec os à 10 000 francs bou. Ils demandent que les prix soient réduits, même à l'abattage, pour qu'ils s'approvisionnent sur un tarif raisonnable. Avec la mesure du gouvernement de réduire le prix de la viande par kilogramme à 10 000, c'est dur pour nous. À l'abattoir, nous achetons à 10 000 par kilo. À combien allons-nous vendre? S'il fait un rabais, c'est 200 francs burundais, donc 9 800 francs. Et le transport pour une vache, nous payons 22 000 de l'abattoir de Kanyosha. Et de l'abattoir de Kamenge, c'est 10 000 francs. Et nous nous retrouvons en train de nous approvisionner à 10 500 francs burundais. Le gouvernement nous exige de vendre à 10 000 francs la vache avec os et à 11 000 sans os. C'est impossible. C'est pourquoi vous ne trouvez pas de la viande sans os sur le marché. Je ne peux pas vendre de la bonne viande sans os. Uchurangura ku 900 n'amajana 5 ukacugira na depense ukacusanga inyama zigeze ngamwishoko ku 10000. À l'abattoir, c'est 9 500 francs le kilo plus les dépenses. Nous arrivons ici et nous devons vendre à 10 000 francs. Nous nous retrouvons en train de travailler à perte. Il est vrai que le gouvernement a réduit le prix mais qu'il baisse même à l'abattoir où nous nous approvisionnons. Parce que là-bas, les prix sont restés intacts. Et pour éviter que nous souffrions, le gouvernement doit fixer le prix à 8 500 francs par kilo. Au départ, la décision de fixer les prix de la viande avait été prise dans certaines provinces. Un kilogramme de viande avec os doit être vendu à 10 000 francs bou et un kilogramme de viande sans os à 11 000 francs bou selon le ministère de l'Intérieur. Elle est devenue une mesure applicable sur tout le territoire par une correspondance du ministère de l'Intérieur datée du 31 janvier adressée aux gouverneurs des provinces et aux maires de la ville de Bujumbura.